Et bonjour. Allez, on se retrouve pour Mutant Year Zero, la suite, hein, deuxième session dessus. Voilà. Désolé, hein, pour Kingdom Come, c'est fini, on n'aura plus. Voilà, je trouve le jeu trop chiant pour le streamer. Donc voilà, j'ai décidé de laisser tomber, de m'avouer vaincu. Voilà, parce que bon, je suis là pour jouer, je suis là pour streamer, pas retry en boucle et pas me prendre la tête. Voilà. Allez, je mets le jeu. Est-ce que la capture s'est faite? Oui. J'avais un meilleur armement. Le hic, c'est que je manque de soins. Voilà. J'avais pu racheter que deux trousses de soins avec tout l'argent que j'avais. Petit instant, je vérifie un truc. Ouais, j'ai pas coupé le Discord. What can I help you with? Va améliorer l'arbalète et venait de trouver un fusil sniper pour Dux. Yeah, prize time. Huh, that's funny. Saw a storybook in the Ark about the ancients. They were wearing suits of armor just like this. Thank you.
that hurt? Follow me. I got this. Cover me. Excusez-moi, je faisais un test son.
Ark mutants. Me with that one. I'm it. I did that. What do you think about that, huh? Stung me with that one. I'm it. Sleep it off. Yeah, baby! Follow me.
see if we got something useful. Oh, sans utiliser de kits médicaux, ça c'est nickel. Let's see what's inside. Salut THX, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps, hein. Ça ne fait que 20 grosses minutes que j'ai commencé le live, donc ça fait pas très longtemps. Je pensais que j'avais raté un objet. On commence à être bien stuffé, je commence à être bien au level. Et on est bien armé aussi. J'en profite
Mon live d'hier a été un vrai fiasco, alors on profite de faire un bon jeu aujourd'hui. Warrior Kingdom Come, c'est fini. On stream plus. Le jeu m'a définitivement gonflé. Ouais, il est chouette. Mais chouette Mutant Year Zero. J'aime bien déjà les personnages et leur look atypique. Je lui ai mis un casque. Déjà, l'environnement Fallout est sympa. Les armes un peu. En fait, tu peux remettre les armes au goût du jour. Par exemple, j'ai mis une lunette et son arbalète, je l'ai un peu modernisée. Enfin, voilà. Même elle a des mutations, elle contrôle la nature. Donc, quand elle est dans les bois ici, elle a l'avantage. Oh, le jeu bien cool, franchement, il est bien sympa. C'est une belle découverte, ça a été fait par ceux qui ont fait The Secret World. On va tenir la position ici. J'en suis dégoûté parce que ils ont sauté. Hier déjà j'ai lancé le live hyper tard parce qu'il y avait une mise à jour de 25 Go sur Kingdom Come. Ils ont réussi à faire plus mauvais que la match précédente. Donc tout ce que j'ai pexé, mon personnage je l'ai pexé comme un porc, j'étais bien armé et tout. Et je me suis retrouvé face à un boss immortel que je n'arrivais pas à battre. Et je suis arrivé contre le premier boss du jeu. Des mécaniques foireuses, mes coups d'épée qui passent une fois sur trois maintenant. Et le pire, c'est qu'à un moment, je me suis déguisé dans un camp ennemi. Donc j'ai mis un attirail de Kouman complet. Un coup, les Kouman m'attaquent. Je charge la game, un coup, ils m'attaquent pas. Et que je n'ai rien changé à part marcher dans leur camp avec un déguisement Kouman. Parce que j'avais regardé, on peut faire ça, on peut se déguiser. Quand tu mets une tenue de soldat ennemi, on te confond avec un soldat ennemi, on ne t'attaque pas. Mais il buguait. Une fois sur trois, j'étais repéré. Donc voilà, là j'en pouvais plus de ce jeu, c'était déconné. Là je vais y jouer encore un peu dans mon coin à Kingdom. Mais là, même dans mon coin, il est en train de me dégoûter. Bah ouais, mais bon, 25 Go pour moi, c'est rien avec le CPL. Je l'ai fait en 12 minutes, mais voilà. Ce qui m'a fait chier, c'est un live foiré. Voilà, des conditions de jeu déplorables. Voilà, là, je joue à un jeu au tour par tour. Là, je sais que si c'est moi qui merde, c'est parce que je suis nul en stratégie. Maintenant vous aurez du stream en duo sûrement avec le streamer québécois Père Mécanique. Je vais sûrement streamer du 7 Days to Die avec lui. Voilà, je vais continuer Mutant Year Zero. Après je verrai, je sais pas. Kingdom Come il m'a coûté 25 € et il m'a dégoûté. Donc voilà. Et super chier. Get the boar! As good as dead! Injury detected. A perfect calculated.
Overwatch. Bah, il y aura du 7 Days to Die et j'ai acheté Dead by Daylight à 7,30€ sur... Ça sera du multi et du survival. Je dois encore faire les tests stream, voir si... pour 7 Days to Die et Dead by Daylight, voir si c'est possible. Un Kingdom comme d'occasion, hein, je... Mais bon, là, même 25€, je trouve que c'est volé. Ils ont craqué les développeurs pour ce jeu, c'est pas possible. Les mécaniques foireuses, ils font une mise à jour, ils font pire que bien, et voilà. Ouais, je pense que je vais me reprendre, je pense que je vais m'y reprendre autrement pour le combat. My shot. On va voir si on peut essayer de les déglinguer méthodiquement. Parce que dans ce jeu, une des particularités, c'est quand les ennemis sont trop éloignés et comme il y a des armes silencieuses, on peut tirer sans faire de boucan. Ce qu'il faudrait, c'est tuer celui qui appelle les renforts, pour avoir plus simple. Regroup. Celui qui a l'espèce de grosse cornemuse sur le dos. Les héros sont vraiment sympas, quoi.
En gros, il y a eu la fin du monde, il y a eu l'apocalypse. Et ce qui s'est passé, c'est que l'apocalypse a donné naissance à des gens comme Dux et Bornin, qui sont des mutants, tout simplement. We got company. Get the fat one. On peut le faire. On peut le faire, faut juste que au lieu de tirer avec nos armes silencieuses, on met le paquet sur lui, quoi. On le. Bah, 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 on déglingue tout. On peut le tuer sur ce tour. Si on le tue, déjà, il pourra pas nous. Il pourra pas. On aura déjà moins d'ennemis à tuer. Ce que j'aime bien, c'est que les mécaniques changent un peu. C'est un genre d'espèce de point and click quand tu entres dans la base pour aller chez le marchand et vice-versa. Tu cliques sur les lieux où tu veux aller et les personnages y vont. C'est assez marrant. J'aime beaucoup l'idée. Now it's getting fun. Personal injury detected. Care provider on approach vector. Rage 2, je vais le faire de toute façon, mais j'attends qu'il soit baissé encore de prix. Pour moi, Rage 2, il vaut pas plus de 15€. Vu le machin répété que c'est.
conduit, tu bourrines. The connection. A female and her. Oh, you little Trixie scammer. As good as dead. Gotcha. Les robots infirmiers, j'adore quand ils meurent. Le cochon, c'est un peu le bourrin du groupe. Overwatch. Le seul jeu qui m'a pas déçu ces derniers temps, THX, c'est Batman Arkham Knight, mais voilà, ce qui m'a cassé les couilles, c'est la censure que j'ai eue par... Je ne savais pas si c'est Rocksteady ou si c'est obligatoirement, enfin, si c'est la PS4 qui fait ça pour certains jeux, mais voilà, c'était juste ça mon problème. Un peu dégoûté, maintenant ça va m'obliger à refaire Batman Arkham Knight sur PC plus tard. Quand j'aurai un meilleur PC que Batman Arkham Knight, ou alors quand Batman Arkham Knight sera plus optimisé avec le cul sur PC. Sans utiliser de trousse de soins, et on passe level 18. Allez, ramassons le loot.
preuve du bon level, on va pouvoir continuer la mission, le cours de la mission. J'avais peur d'être bloqué, mais là j'ai tué un peu tous les ennemis qui étaient... J'ai tué tous les ennemis en fait, j'ai tout rincé dans la zone ici. Maintenant je pense qu'on va pouvoir progresser. Regroup. Oh, I wish that tunnel wasn't the only way forward. Gives me the willies. Une trousse de secours en plus, génial. Hop. Au moins la zone est sûre pour rentrer à la base quand on voudra rentrer. Maintenant, on va essayer de retrouver Hammond. Ah, je te fais un résumé de lui, je te ferai un résumé de l'histoire si tu veux. THX, hein, c'est un. Si tu veux savoir un peu, parce que le jeu a une histoire assez sympathique. J'aime bien, c'est le scénar Fallout et les environnements, enfin les animaux qui ont rien à foutre dans un environnement comme ça, c'est assez drôle. On voit bien le monde post-apo, le cochon, le canard, c'est vraiment... Petite aventure slash conte de fées un peu sympa qui est... Avec humains et mutants qui vivent en harmonie, j'aime bien. Enfin, pas tous les mutants non plus, mais Dux et Borna, ils sont les seuls de leur espèce en fait. Ils sont le seul canard et le seul sanglier à bord de l'arche. Ils savent pas ce que c'est, comment était l'ancien monde. Alors quand ils trouvent des trucs farfelus, eh ben ils leur donnent des noms stupides, comme par exemple ils ont trouvé une radio qui fonctionnait. Ils disent ah, c'est une boîte parlante pour eux. Voilà. Ils sont un petit peu naïfs quoi. On va devoir prendre le ferry et changer de zone. Bon, là j'ai tous les loots, j'ai les meilleures armes possibles là en fonction de ce que j'avais. D'autres personnages viendront s'ajouter au groupe. Pour finir, ça va être comme dans Westland. Il reste encore deux compagnons à recruter. Un homme, un humain et un renard. Aussi, ils ont déjà sorti le DLC qui s'appelle Seed of Evil, qui rajoute un homme, enfin un caribou, comme animal, comme compagnon, ainsi qu'une aventure à côté. Explorer le site du crash. Avec un peu de chance, on retrouvera Hammond au passage. Oh, une zone polaire. C'est cool. I didn't catch what you were saying back there, Selma. Where was Hammond going? The House of Bones. We're almost there. And why, pray tell, do they call it the House of Bones? It's a big house full of dead people. Explorer les alentours parce qu'il faut être curieux. C'est comme ça qu'on trouve du loot. You do not want to be doing this right now. What I want and what I need are two different things. We need to find Hammond. So shut up and get your head in the game. Ouais, Borna et Dux, ils arrêtent pas de se crêper le chignon. Dux, il a pas envie, il est plutôt feignant, il a plutôt envie de rester chez lui. Et Borna lui dit, hey, tu bouges ton cul et tu vas faire la mission, allez, avance, passe devant. Ça me fait rire parce qu'il y a une espèce d'amitié entre les personnages. Le monde est vraiment vivant et sympa. Enfin, Funcom a toujours su faire des univers super, super sympathiques. Enfin,
l'univers de Mutant Year Zero, franchement, je vous le conseille. Enfin, hélas, le jeu n'est plus gratuit. Hein. Si vous ne l'avez pas pris, bah, soit vous l'achetez maintenant. Protocole en cas de peste rouge. Attention, les convenances seront abattues. Ouais, c'est une affichette de l'ancien, enfin, du monde d'avant. Parce qu'en fait, il y a eu une espèce d'épidémie, puis il y a eu la fin du monde. Enfin, voilà. Apparemment, la maladie s'appelait la peste rouge. Bien sûr, les armes peuvent être équipées d'accessoires, tout peut. Enfin, une fois que tu rentres à la base, tu peux tout modifier. So cold up in these parts, I can't feel my beak. Yeah, I've never been this far north before. I feel cold to the bone. Instant, je fais une vérif sur le live, voir si tout va bien. Ah, a l'air d'aller. Par la température qui est montée un petit peu, donc je m'inquiète. Bon, ça va. Le refroidisseur garde toujours le dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, le soleil s'est levé, fait un peu plus chaud que d'habitude. Température, combien il fait dehors? Fait 26 degrés, c'est normal. Alors, hop, 26 degrés dehors, même avec. À la limite, ce que je vais faire, deux petites secondes, je vais allumer la clim. Voilà. On va rafraîchir la pièce d'ici bientôt. Hop. Oh, the House of Bones. What a nice inviting place. These signs are a lovely touch. Et voilà, sans un bruit. Hey guys, come here.
was a fortress full of tiny flesh-eating monsters called Stoon. Voilà, j'ai acheté une compétence qui permet à Dux de voler. Il peut déployer des ailes de papillon. Va savoir qu'est-ce que ça a à voir le papillon avec le canard. Why do you hear this? Look, I don't hear the story, I see the story. I went inside and I saw all these drawings of monsters and flying machines and gross stuff, scary stuff. Ah, ils ont un robot eux aussi. I did that. What do you think about that, huh?
vais la refaire en mieux. Il faut que j'élimine d'abord ce pyro qui va nous poser problème. Il faut qu'on prenne une position surélevée. Sinon, on va jamais s'en sortir. Split up. Follow me. On peut déjà isoler celui-ci, tiens, comme ça c'est fait. Fun. Allez, un de plus. On va essayer de les éliminer comme ça le plus possible parce qu'il y a un boss. Il y a un boss au milieu du foutoir. Donc on va essayer vraiment de s'occuper de sa garnison avant de s'occuper lui-même du gars. Come on. Une surveillance sur tout le bâtiment. The fallen machine did not contain the sacred numbers. But fear not, my children. The machine led a stalker to us. A smart stalker whose mind holds the secrets we need. The smart stalker will show us where the sacred numbers are kept.
Tonight we spill their blood! A stalker who hunts my children! Now he is the hunted! He is the sacrifice! Ok, c'est notre objectif, c'est le site du crash. Ouais, donc il va falloir se battre ici absolument. On va faire le tour, on va essayer d'abattre tous les ennemis à proximité. Le boss est de level 26, donc on va vraiment devoir concentrer nos efforts dessus. Faisons le tour de l'autre côté pour voir. Sympa quand même ces petites mécaniques, ça se joue avec ZQSD tout ça, mais quand t'es en combat ça passe en mode XCOM. Ouais, j'ai un peu de mal à voir le loot dans la neige. Now gather at the sacred site for the ritual sacrifice. Un de plus. Ah non, ils sont tous de niveau 20. Ah ok, ouais. J'avais mal lu. Je pensais que c'était... Je confonds toujours le niveau, parce qu'il y a deux chiffres. Là, il y a un 12 à côté. Ah, c'est les points de vie, il a 12 points de vie, d'accord, je comprends mieux. Yeah. Élimine la menace méthodiquement autour de notre client. Et après on le déboîte.
do we have to stay and watch the ugly Ark, man? They can't keep us here. I want to party, too. Yeah, yeah, we party. We can party on this man's face. Cut it real quick. Wouldn't make his face uglier, would it? This man fell out of the ugly tree and hit every branch on the way down. That's ugly. Ugly Ark, man. That hurt. Déglinguer son pote, il a rien compris. Mais lol. Comment ça te balèze dans la discrétion? C'est génial, il en restera plus que 3 à éliminer. On va tuer le dernier, puis on fouille la pièce. On fera encore des tactiques plus complexes quand on aura les deux autres héros. Ça, c'est génial, un groupe aussi consistant. Ça, c'est un mélange de Wasteland, de XCOM et de... Voilà, franchement, les deux se marient très bien. Et le petit côté... On va fouiller les caisses peut-être avant, car on donnerait l'alerte, parce que je pense pas qu'on puisse le tuer. Oh, un boomer. Fun. Assez loin, même si j'ai pas tiré au silencieux, ça s'est pas entendu de là où on a tiré. Maintenant on va aller se regrouper autour des derniers et on va les liquider. On va
allez. On est déjà plus fort que le boss. On est passé 21. Ah, je tiens le bon bout là, c'est une game parfaite. On n'a pas encore utilisé de soins. On a encore tous nos soins intacts. Maintenant, on va se positionner correctement. Et on va aller dégommer tout ça. Il en reste plus, c'est les derniers à aider, c'est les derniers à tuer. I got this one. Over here. So bad. Get over here. Et ça en fait encore un de moins. On l'a tué juste à côté de ses potes. Stay back, guys. You coming? On va aller se positionner là où il y a le robot médical. On va dégommer le robot médical en premier, sinon il va commencer à arrêter tout le monde et c'est pas l'idéal. Et j'espère que le jeu vous plaît parce que moi il me botte toujours autant. Plein de trucs qu'on n'avait pas fouillé ici à cause des gardes qui campaient. Ah. Défibrillateur, artefact récupéré. Ouais, ça ils savent ce que c'est un défibrillateur à ma grande surprise. There's instructions to use this on somebody who's lying down. Maybe les artefacts qu'on ramène, après ça les intéresse. Enfin, ça intéresse les collectionneurs, et alors tu peux obtenir des compétences spéciales en échange des artefacts ramenés. Thank you.
Donc le robot est relié aux hommes, il va donner l'alerte à ceux qui restent. Ce que je vais faire, c'est qu'on va pas l'attaquer en discrétion, c'est qu'on va directement attaquer et faire feu de toutes nos armes. Voilà. On va attaquer depuis une position défendable. Pour rater un loot, hop, un loot de plus. Merde, je pense qu'il a défoncé Selma dans sa charge. De toute façon, ils peuvent lancer des molotovs autant qu'ils veulent sur le sanglier, craint pas le feu. Oh, ça va, il a évité Selma, j'avais peur. J'avais peur qu'il l'ait déglingué. I did that. What do you think about that, huh? My messenger of death!
stairs is down. I owe you a grog. That was amazing. Don't fight it. They've taken one of us. Nailed it. Do you feel the darkness closing in? Isn't Hammond, but let's get him down. Maybe he can tell us where Hammond is. Oh, voilà l'accessoire. 30% à la portée de l'arme, super. On sera rentré à la base, on l'équipera. On a tout récupéré et on a atteint le site du crash. Voilà. The smell of gunpowder fades. We're safe, for now. We free the prisoner. He's a stalker named Magnus, part of Hammond's team, Selma's partner. Magnus is a mutant too. Not on the outside, but on the inside. He's got powers, mind powers. But he's not insane like the Nova Sect, he's calm. Real calm, tune into some frequency only he can hear. Magnus tells his tale. Him and Hammond were ambushed by the Nova Sect. Nova Sect heard about Hammond. Heard he could talk to machines. Get machines going. So they left Magnus here to die. And took Hammond south to their hangout. They call it the Spear of Heaven. Nova Sect would make Hammond interpret the gifts of the ancients and open the gates to Eden. Whatever that means. Magnus thinks they're gonna blow up the zone and take the Ark with them. I suggest we rescue Hammond before something goes boom. Selma and Magnus agree. Even ducks. Et voilà, on a recruté notre quatrième membre. Break up.
D'accord, on peut en avoir que 3 à la fois. Alors, il fait quoi lui? Ok, lui manie le fusil d'assaut. De rentrer à l'arche, peut-être se réparer, se ravitailler pour aller faire une petite reconnaissance dans la zone. Peut-être qu'il y a des loot à récupérer, c'est mieux, ça serait mieux que rien. On sait que Hammond a été fait prisonnier. Il va falloir aller le récupérer. J'ai vu qu'il y avait une issue par là, on va y aller. Et je vois qu'il y a du loot, ce que je n'ai pas pris, je pense. Have you heard that old legend? The two star-crossed lovers, Izzer and Fala, ran away to a lost palace somewhere in this area. This might sound crazy, but could this be the palace? Was that the legend about Izzer and Fala and all the loot they were hiding away in the lost palace? Because that's the story I'm interested in. These star-crossed lovers better have some supplies.
Look at those wounds. It's like this ghoul got burned to a crisp. Bet you around a Prip's best that Metalmen caused this. Got a bunch of tin men over here looking to knock some skulls. You think they were the ones who killed all these ghouls? Machines doing? They're crazier than us. We've got to run when they're not looking. That's what Snevel said. And Bilge and Muckley. Now Snevel, Bilge, and Muckley have no heads because they ran. Muckley had one foot. How can he run? We are faster than Muckley. We will make it. Goddamn rotheads. Bet they grabbed all the loot. I hate ghouls. Oh, mais lol.
fun. Take the swine! No sweat on it! Bang! 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 Nighty night. They heard it coming. You coming? Does that hurt? Sorry about that. You finally figured out how to use that thing? Hey, over here.
I did that. What do you think about that, huh? Ok. Désolé les gens, le jeu a planté. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai coupé, tout simplement. Il y a eu un bug. Bon. Écoutez, je relance. Désolé. Excusez-moi, je me suis trompé de scénette. Pas trop compris ce qui s'est passé là. J'ai eu un joli bug avec un pouvoir. J'essaie de passer ce combat là, je pense qu'on s'arrêtera là. Le jeu s'est capturé de nouveau. Voilà. Un fichier, pas très stable. C'est pour ça que je sauvegarde souvent.
On va essayer de finir le combat. C'est marrant, hein, ce stop-là. We got company! Smash the feathered one! Wound. Let me fix it. Il arrête pas de refoutre chaos Dux. Here, let me help you. Feels better.
dead, Kim. On l'a eu, c'était un gros blindé. Not so bad. On les a tous eus, ça nous a coûté que deux trousses de soins. Avec tout ce que je ramène, j'aurais de quoi en racheter. Over here. With the door, perhaps to keep something fresh, food or drink, perhaps. Seen some of these around. Apparently, a good shelter against radiation. I think the ghouls kept souvenirs cold in these boxes. There's still some blood inside. Voilà, on a tué tout le monde. Fouillons la zone, voir s'il y a encore des trucs à récupérer. Et on aura tout dévalisé ici, on pourra passer à suivant. Allez, je pense que je vais rentrer à l'arche hein, pour aller rendre un peu tout ce que j'ai donné. Enfin, tout ce que j'ai trouvé. Et je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Ah merde, excusez-moi, j'ai perdu le chat, donc si vous avez écrit des messages, je ne les ai pas reçus. Attendez, je relance. Voilà. Ouais, donc je vois quand même qu'il y a des gens. Si vous avez écrit, désolé, je n'ai pas vu vos messages. Petit dernier tour du pâté de maison et après hop, on va rentrer à l'arche, se préparer, se ravitailler. Ouais, c'est bon. Oui, go la sortie. C'est vraiment pratique d'avoir un cochon immunisé au feu. Je pensais qu'ils auraient dû mettre quand même une touche sprint qu'on puisse aller un peu plus vite parce que je trouve l'action un peu. Enfin, ces phases-là un peu lentes. On aura bien avancé, on aura recruté Magnus, le quatrième compagnon. Oh, encore des gens ici. Level 45, ah non, c'est pas pour nous. Peut-être qu'on peut essayer de se faufiler jusqu'à lui pour au moins récupérer le loot. Split up. Ok, donc je retiens qu'il faudra... Salut El Diablo. Oui, ça va. Et oui, je m'amuse bien.
Ouais, donc c'est pas moyen de les pas moyen de déloger les chiens de là, donc faudra revenir quand je serai level 45. Faudra repenser qu'il y a une caisse que j'ai laissée de côté ici. On va rentrer à l'arche, je pense que je mettrai fin au stream une fois rentré. Ce qui est bien maintenant, c'est que je vais pouvoir aller tuer le boss du début qu'on a dû éviter obligatoirement parce qu'on était trop bas level. Je vais pouvoir y aller et je vais pouvoir aller le tuer. Vu que je suis level 25. Ouais, faudra voir pour essayer de trouver du stuff pour Magnus. C'est drôle pour un canard, il a pas les pieds palmés. Même dommage, il n'y a pas un voyage rapide pour directement rentrer de là où on vient. Ouais, donc on va pas aller là, oui. Ouais, level 35, c'est pas encore pour nous. Donc on va pas aller dans l'autre direction. Par contre, on va rentrer à l'arche. Ça c'est un fait. On a besoin de ravitailler, de voilà. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus d'ennemis sur notre route. On a tué tout le monde. Voilà, de la cabane de Hammond, on peut retourner aux environnements de, enfin, aux environ, en, environ de l'arche, pardon. Et voilà. On sera vite rentré au final.
On est bientôt arrivé. Voilà. Non, mais non, faut descendre tout en bas de la map pour aller faire l'autre objectif. Ça va. Soit pour la prochaine session, une fois rentré à l'arche. Et voilà, on est à la maison. My brave, fierce stalkers. You make an old man feel young. I heard of your recent exploits and how your search for Hammond now leads to the Nova Sect's base in the south. They call it the Cathedral, but it is anything but. My brave stalkers, I pray you find Hammond in good health and return him here safely. If the Nova Sect probe Hammond's mind, the Nova Sect's leader, Plutonia. Voilà, on est venu voir Maître Splinter. Toujours les petits conseils qu'il donne quand on arrive à la base. So Plutonia wants to jumpstart Armageddon with weapons left here by the ancients. Weapons that tore this place apart. Weapons Hammond could be forced to restart. To worship the ancients is to worship death. We are the lights that never go out. We are the Ark. And you will save us all. May your search for Hammond continue in complete safety. Thank you for letting this old man ramble. Go in peace, Stalker. Well, look what the Zone Wolf dragged in. Good to see you. On a trois artefacts, un mulet débloque un emplacement de grenades supplémentaire par membre du groupe. Technophobe, 10 de chance de coup critique contre les robots. Augmente les dégâts de grenades de 4 points. Augmente les soins prodigués par les trousses de secours. Bah. Have a swell time out there. Ça c'est fait. Those Nova Sec morons have no direct line to the ancients. That's a load of rot. What they do have is a steady supply of mushrooms. Pas de nouvelles armes. Il n'y a jamais d'armes ici raciales. Elles vont une arbalète, mais n'est pas obligatoirement besoin pour le moment. Tu sais, pour l'offrir à Magnus, vu que c'est un expert dans la furtivité, apparemment. Sur ce, on va s'arrêter là. Je ferai les modifications, les achats hors live. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus. Merci d'avoir regardé. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et je vous dis à plus pour le prochain live. Allez.